Eh bien, salut tous les amis, c'est Archie, comment ça va? Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer comment avoir les nouvelles récompenses, donc l'accessoire de dos du point zéro, donc un fragment du point zéro, c'est l'accessoire de dos, mais également la musique de l'événement fracture, puisque on a pas mal de choses qui ont été données directement dès qu'on s'est connecté, puisqu'on a participé à l'événement, mais là on a deux récompenses où il faudra savoir exactement comment faire et surtout savoir où aller pour récupérer ces fameuses récompenses, et je vous montre tout aujourd'hui. Mais avant de choses, je vous rappelle qu'il y a énormément de vidéos, de guides, de tutos qui sont disponibles, mais également qui vont arriver sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à rester connecté en vous abonnant à cette chaîne YouTube sur laquelle on est actuellement. Vous avez également en description ma chaîne Twitch, on en est pratiquement tous les soirs. N'hésitez pas à venir nous rejoindre, on fait énormément de choses, mais surtout on joue ensemble. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre en suivant la chaîne Twitch, mais surtout en vous abonnant à cette chaîne YouTube, bien évidemment. Donc pour ces récompenses là, on n'est pas sur le jeu qu'il faut aller, mais c'est directement sur Twitch, puisque là on est dans les Twitch drops de Fortnite sur Twitch. Et là on a directement en fait une campagne qui dure pas longtemps du tout, elle dure 2 jours, donc du 4 au 6 décembre 14h, vous pourrez donc récupérer ces fameux 2 récompenses là. Donc pour toute personne qui sera en live, vous pourrez aller sur n'importe quel live qui stream du Fortnite et récupérer automatiquement ces récompenses. Donc qu'est-ce qu'il faudra faire? Faudra regarder pendant 15 minutes et regarder encore pendant 30 minutes en plus un stream ou plusieurs streams, ça dépend comme vous le souhaitez, mais en tout cas faudra regarder des streams de Fortnite pendant 45 minutes en tout, puisque 15 plus 30, et ensuite vous pourrez récupérer vos fameuses récompenses. Alors attention, lorsque vous allez récupérer des récompenses, déjà il faudra bien connecter votre compte Epic Games à votre compte Twitch, comme c'est écrit ici, moi c'est connecté, sinon vous allez avoir un bouton. C'est très important de bien regarder que c'est bien fait et que ça ne s'est pas déconnecté au cas où, puisque sinon si vous allez regarder un stream, ça ne fonctionnera pas, ça ne n'accumulera pas en fait du temps dans vos Twitch drops. Donc vraiment regardez ça, vérifiez bien que ce soit bien connecté, et ensuite vous allez avoir donc dans inventaire ici, vous allez avoir en fait une case Fortnite avec les 2 récompenses. Donc, et ces 2 récompenses là, vous aurez en fait 2 jauges qui vont apparaître. Une jauge de 15 minutes sur 0 à 100% sur la jauge, et une autre avec l'autre qui sera verrouillée. En fait, la deuxième récompense, l'accessoire de dos, sera verrouillée dans cette section là, puisque on sera sur la campagne de la première récompense à récupérer d'abord. Donc, au bout de 15 minutes, vous aurez besoin obligatoirement, faites attention, de revenir directement dans inventaire pour faire récupérer en fait sur l'image ici. Vous aurez donc dans inventaire, vous aurez en fait récupéré la récompense. Faudra appuyer sur le bouton récupérer pour pouvoir passer à la deuxième récompense. Très important de bien venir faire attention à venir récupérer la première récompense pour débloquer la deuxième. Sinon en fait le timer de la deuxième ne se débloquera pas, et même si vous regardez pendant une heure et demie, 2 heures, ça ne fonctionnera pas. Faudra vraiment débloquer, donc au bout de 15 minutes vous débloquez la première récompense, vous appuyez sur ce fameux bouton là de récupérer, et la deuxième récompense, la jauge, va commencer à s'activer, et c'est là que vous pourrez donc accumuler du temps également sur la deuxième récompense pendant une demi-heure, sinon ça ne fonctionnera pas. Faites vraiment très attention à ça. Donc 2 récompenses, vous avez vraiment un temps très limité, puisque là on est entre le 4 et le 6 décembre, c'est vraiment très tôt, enfin c'est très resserré comme temps. Donc vous avez 2 jours pour regarder n'importe quel stream. Logiquement on partira également, moi de mon côté, en stream sur ma chaîne Twitch qui est en description, donc vous pourrez venir nous rejoindre, et il y aura les récompenses également à récupérer totalement gratuitement. Donc 2 récompenses, accessoires de dos et musique également de l'événement, donc Zero Fusion Track, la musique de l'événement de Fracture, qui est à récupérer gratuitement sur les streams, n'importe quel stream sur Fortnite bien évidemment. Faudra obligatoirement que le stream soit sur Fortnite. Dans le chat, de toute façon, en haut du chat, vous allez automatiquement voir qu'il y a des récompenses à récupérer via les Twitch Drops. Si ce n'est pas écrit, c'est que le stream n'est pas bon. Il faudra changer de stream pour vraiment voir un stream. De toute façon, en général, c'est écrit devant le titre, c'est écrit drop. Et donc voilà, n'hésitez pas, foncez le faire. Vous n'avez pas beaucoup de temps, et après ça va disparaître et ça ne réapparaîtra plus jamais. Ce sont des récompenses exclusives, et potentiellement même ça reviendra en boutique payant. Donc vraiment, il faut absolument, ça coûte pas grand chose. 45 minutes même, vous n'êtes pas obligé de regarder le stream. Vous le mettez de côté. Par contre, attention, ne mettez pas pause au stream. Il faut obligatoirement que le stream soit en play pour que le temps soit accumulé. Par contre, vous pouvez couper le son, ça fonctionnera malgré tout, mais il faudra vraiment que le stream soit sur play et pas sur pause, sinon ça n'accumulera pas de temps. Donc voilà, 2 récompenses à récupérer dans un laps de temps très court, du 4 au 6 décembre, donc à 14h le 6 décembre ça sera terminé. Donc n'hésitez pas, foncez, c'est gratuit. Accessoires de dos et musique, c'est vraiment ultra intéressant d'aller les récupérer, donc n'hésitez pas, c'est disponible actuellement sur Twitch dans les Twitch Drops. Les amis, n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, également à vous abonner pour suivre tout ce qui va arriver prochainement en termes de tutos, d'astuces, de news, énormément de choses en préparation vont arriver sur cette chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à rester connecté en vous abonnant à cette même chaîne. Vous avez aussi en description ma chaîne Twitch, mon compte Twitter, mon compte TikTok, c'est pas aller suivre tout ça, n'hésitez pas pour me soutenir un maximum. On en live pratiquement tous les soirs, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur la chaîne Twitch bien évidemment. J'espère que ça vous aura plu, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde.